Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau tutoriel qui portera cette fois-ci sur une manipulation extrêmement utile, c'est-à-dire l'importation d'un fichier DWG, c'est-à-dire un fichier AutoCAD, en SketchUp et sa modélisation assez rapide. Nous allons travailler sur un fichier que vous connaissez bien, celui d'une maison de Pompéi. Que j'ai récupéré en format DWG et nous allons voir les étapes de la chaîne opératoire pour que l'on puisse passer rapidement d'un plan 2D à un modèle 3D. Donc, la première chose qu'on va faire, donc, c'est de partir de. Je vais partager mon écran. Donc, le fichier, il est disponible, qui est celui-là. Il est disponible sur votre épi, sur l'épi du cours. Donc, vous pouvez le télécharger à tout moment. On va tout d'abord sur AutoCAD. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il n'est pas obligatoire d'avoir AutoCAD pour pouvoir importer le fichier en SketchUp. L'important, c'est d'avoir un fichier DWG. Mais vous n'êtes pas du tout obligé d'installer AutoCAD. Donc, c'est la première chose qu'il faut savoir. Donc, si quelqu'un vous envoie un fichier DWG, même si vous n'avez pas AutoCAD, vous pouvez l'importer en SketchUp. Mais il y a une condition essentielle, à savoir que le fichier DWG doit être enregistré en AutoCAD 2010. Donc, si vous n'avez pas AutoCAD, il faudra que quelqu'un d'autre à votre place l'enregistre dans le bon format. Et le bon format, c'est ici qu'il faut le définir. Donc, voilà. C'est ça. Ça, c'est le format de AutoCAD, la version. Si vous voulez, la version 2010 qui est compatible avec SketchUp. En revanche, si votre fichier est enregistré en 2013 ou en 2018, SketchUp ne pourra pas l'ouvrir. Donc faites attention à cela. En tout cas, pour l'instant, c'est le cas. Probablement, il y aura des mises à jour dans les mois à venir, dans les années à venir, qui débloqueront ce problème, permettront de contourner le problème. Le fichier que j'ai déposé sur l'épi, notamment celui-là, que j'ai ouvert pour l'instant en AutoCAD, a été enregistré en AutoCAD 2010, donc vous avez la possibilité, sans problème, de l'importer en SketchUp. Mais avant même de l'importer en SketchUp, regardons quelque chose. Cela, c'est un. Voilà, qui est composé de plusieurs lignes, plutôt. Oui, ce doit être des lignes. Oui, ce n'est même pas des polylignes, vous voyez? Donc, chaque entité, en réalité, est une ligne. Si on la sélectionne et on va sur les propriétés, rapide, voilà, on voit que c'est une ligne. Donc, ce n'est pas des polylignes. Bon, cela pourrait être un problème, mais ce ne l'est pas, comme on le verra par la suite. En réalité, SketchUp va les importer et les considérées comme des polylignes, en bonne partie, pas toutes, mais en bonne partie, oui. Donc, ça marche malgré tout cela. Évidemment, pour ceux qui ont suivi le cours d'AutoCAD avec moi, eh ben, ceux qui ont suivi, ils savent très bien qu'il ne faut pas travailler par ligne, mais par polyligne. D'accord? Donc, il faudrait en fait fermer toutes ces lignes et faire des polylignes. Mais ce n'est pas un cours d'AutoCAD, donc je laisse tomber cette étape. Une dernière chose, avant de passer à SketchUp, à l'importation SketchUp, c'est la mesuration de cette maison. Et on va voir donc la taille de cette maison sur AutoCAD, sachant qu'en AutoCAD, il n'y a pas d'unité de mesure prédéfinie, définie en amont, mais c'est à nous de la paramétrer avec les échelles, et c'est quelque chose que vous connaissez désormais très bien. Alors, on va quand même mesurer. Donc, on va faire une mesuration rapide. Alors, voyez, on va dire la distance. Tac. La distance de là à là, ça fait 10 mètres, enfin 10 unités 49. D'accord? On peut s'imaginer que ce sont des mètres, des centimètres, des millimètres, peu importe. En tout cas, on a 10,49. Et pour ce qui concerne la longueur, donc on va mesurer la longueur aussi, distance, tac, tac. On a 23,09. Donc, 10,49 et 23,09. On va les annoter comme ça, on les retiendra pour tout à l'heure. Donc, on peut désormais fermer le fichier AutoCAD.
maintenant. Et on va ouvrir un nouveau fichier SketchUp. Comme d'habitude, on enregistre tout de suite sur notre bureau et on va dire importation de WG. Bon, rien de spécial. Bon, bien, très simple. Alors déjà, je l'ai fait en vitesse, mais quand même, je préfère le remontrer. On est en mètres, d'accord? Bon. On va maintenant dans l'onglet File, fichier, et on va importer. On va importer. Ici, vous avez une série de possibilités de formats différents que vous pouvez importer. Il y en a pas mal, comme vous voyez. Et parmi ces formats-là, il y a également, et surtout, en l'occurrence, le format DWG ou DXF. Les deux sont à peu près la même chose, qui sont le format natif de AutoCAD. Mais DXF, ne l'oubliez pas, est aussi le format de sortie, entre autres, du SIG. À bon entendeur. Donc, une fois qu'on est sur AutoCAD, notre fichier s'affichera. Attention, parce que si vous choisissez le format SketchUp, vous ne trouverez que les fichiers SketchUp. Le JPEG, vous ne verrez que les images JPEG. Donc, il faut bien définir le format qu'il vous faut. Bien, DWG, il est là. Et on va tout simplement l'importer. D'accord? Là, on pourrait, par exemple, paramétrer davantage, vous voyez, l'échelle pourrait modifier donc le paramétrage ou conserver par exemple les origines, la position originaire du dessin. On peut laisser tomber parce qu'il va, vous verrez, l'importer directement à l'origine de nos axes, ce qui est très utile et très efficace. Donc voilà. Et là, il va reconnaître le nombre de quoi? De calques. Je ne l'ai pas montré tout à l'heure en AutoCAD, j'aurais pu le faire. Combien de cercles et combien de lignes? Donc, vous voyez, il n'y a pas de polylignes. Il y a lignes, cercles et layers et calques. Il y a aussi deux blocs. Bon. Et on va dire OK, close. Et voilà que la maison est importée. Vous voyez, l'angle de la maison coïncide avec l'axe, l'origine de nos axes. Et maintenant, on va faire quelques vérifications. On déplace déjà un autre monsieur. Voilà, on est là. Et quelle vérification? Bien, on va faire, on va mesurer la maison. Donc, on va voir de là à là. 10,49, vous voyez? C'est-à-dire, il a conservé exactement les dimensions que nous avions sur AutoCAD. Maintenant, on va faire aussi une autre vérification. 23,09, donc exactement ce qu'on avait sur le dessin original d'AutoCAD. Donc, tout va bien, parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Et maintenant, il faut passer à la modélisation. Nous n'avons que le plan ici. Nous n'avons que le plan. Là, il nous faut maintenant passer du 2D, n'est-ce pas, à une élévation 3D. Et comment faire cela? Eh bien, il nous faut des surfaces. Il nous faut des surfaces, sauf que, comme vous voyez, quand on sélectionne, on n'a pas de surface. C'est-à-dire que si je vais vouloir maintenant faire une extrusion de quelque chose, eh bien, vous voyez, je ne peux pas. Ouais, je ne peux pas parce qu'il n'y a pas de surface. C'est bizarre, c'est comme ça. Parce qu'en autre cas, il n'y a pas de surface, évidemment, dans la 2D. Il faut les créer. Comment on crée des surfaces? C'est hyper simple. Il faut tracer quelques lignes à l'intérieur de ces formes qui sont des formes fermées. Et ça, c'est déjà très bien. Or, là aussi, il faut connaître les règles du jeu. C'est-à-dire que si maintenant je vais faire une ligne ici quelque part, vous voyez, rien ne se passe, même au niveau des colonnes, rien. Pourquoi ça? Parce que ce dessin est considéré comme un bloc. Vous voyez, quand je le sélectionne, le dessin lui-même est une entité à part entière. Donc, il faut la faire, il faut la décomposer. Il faut, on dit en AutoCAD et même en SketchUp, il faut exploser ce bloc. Donc, une fois, on va le sélectionner, d'accord, clic droit et on va explode, donc décomposer notre dessin 2D. Voilà.
Maintenant, je désélectionne et vous voyez que si je vais sélectionner une partie du dessin, bah maintenant il sera possible de le faire. Donc, vous voyez, il n'y a plus le bloc. Je peux sélectionner les colonnes, des pièces, une partie du mur, etc. Alors maintenant, ça va être possible d'obtenir des surfaces grâce à cette méthode d'une simplicité extrême qui est celle de tracer quelques lignes par-ci, par-là, juste pour faire comprendre au logiciel que ces lignes, en fait, définissent des surfaces. Voilà. Oui, je fais ça, tac, et une bonne partie du dessin est désormais caractérisée par la présence de surfaces. Je vais faire la même chose ici, tac, et je vais faire la même chose ici. Peu importe, je le fais très rapidement. Alors, les colonnes, il faudrait les faire une par une, ou bien vous tracez des lignes, voilà, vous faites une chose comme ça, un peu sauvage, voilà, tac, tac, et tac. D'accord? Bon, maintenant, une fois que vous avez les surfaces, vous pouvez passer à la modélisation, à l'extrusion, sauf que, comme vous avez toutes ces lignes, il faudra les nettoyer, donc il faut les virer. C'est très simple, vous allez avec votre gomme maintenant et vous allez virer petit à petit vos lignes que vous venez de mettre. Voilà, tac, tac, tac. Ça prend une, deux minutes, hein, mais ça va, voilà. Oups. Il vaut mieux zoomer toujours. Alors, les colonnes, c'est la chose peut-être la plus embêtante parce qu'effectivement, il faut y aller. Mais c'est quoi l'avantage de cela? C'est que vous n'avez pas à redessiner le dessin, le plan. Il est là, il est fait, il est parfait. Pas la peine d'aller refaire la totalité de la structure. Voilà, c'est fait. Maintenant, on enregistre. On a les surfaces, on a tout. On peut passer à l'extrusion. Voilà. Eh bien, on commence éventuellement cette partie-là, vous voyez, parce que vous aviez vu tout à l'heure que les colonnes sont séparées d'une partie de la maison, que la maison elle-même a été décomposée en deux grandes parties. Pas grave. On va faire une élévation originelle de 4 mètres, tac, et on va juste double-cliquer là, comme ça on obtient 4 mètres, là, et puis il faut le faire pour toutes les colonnes, évidemment, tac, tac, tac. Tac, 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 double clic, ah, ok, tac, tac, tac. Très bien, donc la partie inférieure de notre maison est faite. Or, avant de passer à la deuxième étape, bon, il aurait déjà fallu, ça on peut toujours le faire évidemment, donc on sait que la maison fait 23,09 m et 10,49 fois 10,49. On peut faire un petit rectangle, on va se mettre en haut. On va faire un rectangle qui est cette dimension. Donc, on va faire un rectangle qui fasse 23,09 m, pardon, 0,9, point virgule, semi-colonne, 10,49. Bon, il a fait. Oui, alors on va le refaire, parce qu'évidemment, il faut mettre d'abord la largeur, donc 10,49, 23,09. D'accord ? Paf. Pourquoi je fais ça ? Bah, c'est le sol de ma maison. Ah, bah, vous voyez, c'est mis en modalité X-ray X, je pense, X-ray plutôt, ou shaded tout court. Ouais, bon. C'est pas grave, c'est très bien même. Ok, je vais voir. Ah, d'accord, parce que j'ai tout. Voilà, vous voyez, bien sûr. Bon, c'est pas plus mal. Donc, on va laisser effectivement ça, comme ça, on peut toujours voir ce qui se passe
et c'est avoir une maîtrise majeure de notre manipulation, de la modélisation 3D. Donc, on va là faire un sol qui fasse 0,30 cm. OK. On va y mettre la maison par-dessus. On va tout sélectionner. Alors là, il faut tout sélectionner. Ah ben là, là c'est un problème parce que comme il faudrait créer un bloc, il faudrait tout prendre. Hein. Je ne sais pas si j'ai tout pris. Hein, parce que quand on fait de la 3D, vous savez très bien que on a c'est toujours un peu la difficulté un peu de la 3D, mais je pense que là, j'ai à peu près tout pris. Je vais avec CTRL enfoncer. Non, je vais faire ça. Bon. Et je vais déplacer tout cela, cet angle-là, sur cet angle-là. Tac. Pourquoi je fais ça? Parce qu'au moins, je vais avoir un sol. Et ce sol sera très utile pour faire le jardin ici, pour avoir un sol dans les pièces. C'est quand même embêtant de ne pas avoir un sol dans une maison. D'accord? Bon, après, vous savez très bien, vous pouvez à tout moment enlever ces lignes-là. Comme ça, ça ne se verra pas. Et on pourra fusionner l'élévation avec le sol. Mais pas forcément. Vous pourriez avoir un socle de fondation que vous souhaitez caractériser de façon différente. Bon. Maintenant, il nous reste évidemment à faire une chose, on va remettre au bon endroit la totalité de notre maison. Donc, on va prendre cette fois-ci cet angle-là et on va le mettre à l'origine des axes. Bien. Or, le même problème se pose pour le deuxième étage. On ne peut pas faire de deuxième étage. Enfin, pas tout de suite. Comment on va faire deuxième étage? Alors, plusieurs façons sont envisageables. La première serait de se mettre en vue du haut, de faire un rectangle qui va de là à là, tac, jusqu'à là, et nous aurions comme ça déjà une séparation. Le problème est que ce rectangle a eu pas mal d'intersections avec les pièces inférieures. Et alors, quand on va faire l'extrusion, eh ben, vous verrez ce que ça donne. Ou bien on va extruire la partie intérieure des pièces, ce qui ne sert absolument à rien, strictement à rien, voyez, d'accord. Ou bien il faut faire l'extrusion de cette partie-là. Oui, très bien. Le problème, c'est que, bon, trop haute, mais ce n'est pas ça le problème. Le problème est qu'il n'y aurait pas de sol entre les deux choses. Il y a du vide, d'accord. Enfin, il y a ce vide particulier, enfin il faudrait l'extruire mais on ne pourra pas. Donc évidemment ce n'est pas la bonne façon de faire cela, donc il faut trouver la solution ailleurs. Par ailleurs, j'avais oublié que deux étapes. L'une, je vous la montre tout de suite. La deuxième, qui est un peu plus complexe, je vous la montrerai dans un tutoriel à part. La première, c'est que s'il y a des portes, il faut l'architrave, il faut la partie supérieure de la porte, et là il n'y a pas, donc il faut créer cela. Ouais. Alors, on ne peut pas laisser cette partie supérieure ouverte. Ça, ça va de soi. Donc, la première chose qu'on va faire, et ça, ça prendra un peu de temps, évidemment, il faut, pour chaque ouverture, créer une fermeture. Donc là, on va faire un rectangle, à peu près comme ça, et puis on va faire l'extrusion du rectangle. J'en fais deux, trois, et puis, bon, juste pour vous montrer comment ça marche. Voilà, vous voyez? Ah, peut-être que c'est embêtant de voir les arêtes, donc je veux quand même... Voilà, ça c'est mieux. Même chose ici. On va, alors, d'ailleurs, il faut évidemment faire les choses bien. Maintenant, je le fais un peu en vitesse, mais bon, on peut mesurer de là à là, c'est combien? C'est 67 cm. Donc, on va faire la même chose ici. On va faire un rectangle qui arrive jusqu'à 67 cm. Là, c'est parfait. C'est exactement ce que je voulais. Oui, parce qu'il a tenu compte de celui que je viens de faire. Vous voyez? Donc, il est très intelligent. Pardon. Par contre, je fais une petite erreur. Alors, d'abord là, et puis voilà. Tac. Et j'ai un rectangle qui fait 67 cm. Bon, extrusion. Et là aussi, c'est bon, c'est fermé. OK. Bon, après, il y a un travail de gomme, hein, de nettoyage à faire, non? Et
Attention, parce que celui-là, il faut le faire un peu partout, parce que vous l'avez en bas, hein, et derrière, c'est embêtant, c'est un travail qu'il faut faire. Donc, n'oubliez pas de fermer les portes de la partie supérieure. C'est bien de faire, d'avoir ce dessin, déjà, de partir d'un plan 2D, mais après, il faut rattraper quelques coups par-ci, par-là. Évidemment, je n'insisterai pas davantage sur les colonnes, mais là aussi, vous pourriez éventuellement faire les cannelures. Je vous ai appris déjà comment. Éventuellement, réduire la partie supérieure de votre colonne, etc., etc. Bon, et on disait, il faut faire maintenant la partie supérieure, l'étage supérieur. Alors, la première chose que vous pourriez faire, c'est déjà de vous aller, si vous envisagez de, j'enregistre, si jamais, si vous aurez, je disais qu'il y avait deux choses à faire, d'ailleurs, excusez-moi. La première, c'était de fermer les portes, et la deuxième, c'était, si vous avez un deuxième étage, d'avoir des marches, une échelle pour monter à l'étage. Cette deuxième étape, je vous la montrerai dans un tutoriel à part. Parce qu'encore faut-il décider à quel endroit de la maison on va mettre l'échelle. Donc, maintenant, je disais, si on souhaite avoir la même planimétrie, en tout cas de cette partie-là, par exemple, je sais pas, au deuxième étage, ben, il faut déjà la copier-coller. Donc, il faudra sélectionner cette partie-là, contrôle, et vous allez vous la mettre à part, juste pour l'instant. Ensuite, vous allez faire la même chose pour le sol. Contrôle. Oups, pardon. Voyons si j'arrive à sélectionner uniquement le sol sans prendre le reste. Oui, ça a l'air de fonctionner. Contrôle. Et cette fois-ci, je vais prendre mon sol qui deviendra. Alors, je mets à part parce que sinon ça me pose quelques soucis. Voilà, j'ai mon sol. Je vais le sélectionner. Je ne travaille pas du tout sur les textures, ça je vous laisse faire, je vais vous amuser. Et voilà que je vais mettre mon sol par-dessus. D'accord? Ensuite, je vais prendre le duplicat, si vous voulez, non? De l'étage, du premier étage, et je vais me le replacer au deuxième étage. Voilà. D'accord? Évidemment, ça c'est un exemple. Après, vous pouvez à tout moment supprimer des choses, modifier la planimétrie. Ça dépend. Je ne connais pas du tout la partie supérieure, le deuxième étage de cette maison, mais il est important de prévoir un deuxième étage. Et par ailleurs, il est important de prévoir à un moment donné de cette maison quelque chose qui soit une ouverture pour, enfin, pour accéder au deuxième étage. Donc là, par exemple, je crée un rectangle. Je vire et comme ça, je vais à là, effectivement, voilà. Et je vais avoir. Ben, il ne faut pas virer de manière si sauvage. Donc là, il faudra faire. Alors, attendez. Je n'arrive pas. C'est un problème. Non, je ne vais pas ça. Bon, tant pis. Alors, vous savez ce que je fais? Dans ce cas-là, j'utilise pas de gomme, rien du tout. Je vais faire une extrusion vers le bas. Voyons si ça marche. Ouais. Et bon, là, si j'ai la possibilité de voir ce qui se passe à l'intérieur, mais malheureusement, non. Donc, il faudrait que j'arrive au moins jusqu'aux colonnes. Alors, l'idéal dans ce cas-là, l'idéal, c'est justement d'avoir la possibilité de l'X-ray, comme cela, vous allez jusqu'au sol, vous voyez? Voilà. Et voilà que maintenant je peux remettre là. Ah, ça, c'est toujours très. Ouais, alors là, est-ce qu'il a fait? Non, je pense qu'il n'a pas fait. Mais enfin. C'est peut-être mieux de faire comme ça. Le problème est que là, vous avez aussi cette partie-là qu'il faudra virer, cette partie-là, évidemment, si vous voulez, parce que là, voilà, ouvrir exactement, tac,
parce qu'il y a d'autres erreurs. Non, ça va marcher, mais il faudra tout virer. Ouais. Ça, en fait, attention. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait juste une ouverture parce qu'on ne sait jamais. Probablement, par la suite, il faudra prévoir des démarches. Mais ce n'était pas au niveau des colonnes, évidemment. C'était juste pour vous montrer comment ouvrir et par la suite permettre de monter à cet étage. Il reste néanmoins un problème parce que le sol doit avoir son épaisseur, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, il ne faut pas perdre ce sol-là. Donc, il faudra sans doute refaire ça. Mais là, alors, ça, c'est un peu embêtant. On pourrait le faire peut-être plutôt ici. Je ne sais pas si vous voyez ce dont je parle. C'est l'épaisseur du sol. Alors là, je vais le faire limite comme ça pour mieux avoir une maîtrise plus importante. Voyons si j'arrive cette fois-ci à faire une extrusion un peu moins sauvage. Vous voyez, il faut avoir cette épaisseur-là du sol que j'ai perdu tout à l'heure à cause de... Ouais. Alors, le problème est que dans ce cas-là, à la limite, ce que vous pouvez, voilà, je pourrais faire ça, et voilà, ben là, c'est parfait. C'était précisément ce que je voulais, c'est-à-dire une extrusion au niveau de l'épaisseur. Donc, je répète la manipulation, qui en réalité est beaucoup plus simple que je n'ai pas réussi à vous montrer. Donc, vous dessinez un rectangle, là où vous souhaitez ouvrir une ouverture, créer une ouverture pour les marches qui montent, et puis vous descendez jusqu'à là, qui est la partie inférieure, qui est cette partie-là, vous voyez, qui est la partie finale de votre, ou le début, si vous voulez, de l'épaisseur de votre sol. Donc, vous pouvez le faire ici, hein? Voilà. Et là, c'est bon, et là, c'est parfait, là, c'est nickel. Donc là, techniquement, on peut mettre une démarche qui monte jusqu'à... Alors, pour les marches, on le verra par la suite, donc on ne va pas maintenant s'embêter. Alors, sachez qu'évidemment, là, ce n'est pas fini, là, il faudrait maintenant encore fermer toutes les portes, certaines sont déjà fermées, faire un plafond et la toiture. Ça, je vous laisse faire. Puis, évidemment, là, c'est complètement c'est faux parce qu'il y a un péristyle. Donc, il faudrait prévoir plutôt une ouverture déjà ici vers le péristyle qui permette à l'eau de rentrer à l'intérieur. Mais ça, c'était juste un exemple pour vous montrer comment modéliser la partie supérieure. Donc, je pense avoir fait le tour. Donc, j'enregistre. Et je pense que pour ce tutoriel, nous avons terminé et je vous remercie pour l'attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.